on donne aux gens la capacité de développer ces outils-là, mais après, on n'optimise pas forcément toutes ces puissances-là. Si on veut affiner cette notion de fracture numérique, on peut la distinguer à travers trois faisceaux. La première, ce serait au niveau des infrastructures, donc c'est-à-dire l'accès, est-ce qu'on l'a ou est-ce qu'on ne l'a pas? La deuxième, ce serait les pratiques, donc est-ce qu'on l'utilise ou on ne l'utilise pas? Et enfin, la dernière serait décisionnaire, c'est-à-dire est-ce que le non-usage est volontaire ou non. Le confinement, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est juste l'inclusion forcée du domaine de l'école au sein des familles.